C'est une soustraction entre deux fractions au même dénominateur. J'obtiens donc une nouvelle fraction qui est au même dénominateur et je soustrais les numérateurs. Ici, je suis dans un cas où je fais intervenir les nombres relatifs. On va admettre que cela fonctionne à l'intérieur des fractions. Je vais faire comme dans la leçon que j'ai apprise précédemment. Donc, 2 moins 7 égale moins 5, le tout sur 3. La fraction est égale à moins 5 sur 3. Je peux aussi l'écrire moins 5 sur 3. C'est un nombre négatif. C'est fini.